Bonjour Monsieur Gandon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Roger Gandon, vous avez été professeur d'école en école Waldorfsteiner pendant de longues années et professeur d'eurythmie. Et vous vous êtes intéressé à la poésie, donc vous avez écrit des poèmes. Et ensuite, vous êtes beaucoup intéressé aux contes, notamment aux contes de Grimm. Et vous avez écrit et donc publié un livre aux éditions de la Belle Émeraude qui s'appelle « Il était une fois, choisir un conte et le raconter ». Donc dans cet ouvrage, en fait, vous expliquez un peu votre vision du conte, en quoi il peut être intéressant pour les enfants. Et dans la deuxième partie, vous reprenez, en fait, vous avez sélectionné finalement à peu près 90 contes de Grimm. Vous les présentez pour expliquer un peu leur intérêt aux parents ou aux enseignants. Et ensuite, vous expliquez le sens des images qui sont dans chaque conte afin un peu de donner du sens et peut-être que les parents puissent également donner du sens quand ils le racontent aux enfants, si j'ai bien compris. C'est Tout à ça? fait, vous avez bien compris. Alors, ben, je ne sais pas, par quoi est-ce que vous voudriez commencer? Est-ce que vous voudriez justement nous expliquer un petit peu votre vision du conte? En quoi est-ce que c'est précieux dans l'éducation, dans la relation aussi peut-être avec les enfants? Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Raconter un conte, c'est un peu comme jouer un morceau de musique. Il faut le recréer à chaque fois. Un conte, c'était une expérience qui a été faite et qui a été raconté en images. Mais dans le livre où je le lis, ce n'est plus qu'un squelette, hein, c'est une trace. Donc il faut que je revive cette expérience et que je la retransmette à moi aussi de façon aux auditeurs de façon vivante. Tout ce que nous racontons aux enfants n'a pas la même valeur pédagogique. Nous avons des histoires que nous racontons qui sont de simples divertissements. Mademoiselle fait de la bicyclette, mademoiselle au sport d'hiver, mademoiselle a un poney ou fait du patin. Donc, ce sont des histoires qui peuvent être très intéressantes, mais et qui occupent bien les enfants. Ils aiment bien les enfants, mais en fait, ce sont simplement des divertissements. Et parmi toutes les histoires que nous pouvons raconter, il y a celle qui commence par « Il était une fois ». Et où que vous soyez dans le monde, si vous avez devant vous un auditoire qui fait silence, eh bien, et que vous prononcez cette phrase magique, aussitôt, vous sentez tout de suite un changement dans l'écoute des enfants. Attention, cette histoire ne va pas parler du monde que nous voyons avec nos yeux tous les jours, ça va parler d'autre chose. Ça va parler d'êtres qui normalement sont invisibles, hein, les gnomes, les géants, les fées, les génies, les sorcières. Enfin, quoi que les sorcières, on les voit un peu. Et donc, on prévient tout de suite les enfants que nous allons parler d'un autre monde, quoi. Et c'est pour cela qu'il est impossible de comprendre les contes si on a une conception matérialiste de la vie et de l'être humain. Pour comprendre leur sagesse, il faut qu'on ait une conception spirituelle de la vie et de l'être humain. Alors, parmi ces contes, il y en a qui sont des contes de sagesse. Si tu, par exemple, beaucoup de contes chinois, des contes d'Afrique aussi, si tu dis la vérité, quoi que cela puisse te coûter, si tu es fidèle à tes amis, à tes conceptions, à tes idées, à ce moment-là, le conte se finira bien pour toi. Tu peux même devenir empereur. Le plus souvent, tu deviens riche. C'est déjà pas mal. Et puis, il y a des contes qui sont beaucoup plus que des contes de sagesse. Ce sont des contes qui nous donnent un enseignement spirituel. Il n'y en a pas beaucoup. On les trouve effectivement surtout chez les contes de Grimm, qui ont été rassemblés par les frères Grimm. Mais on en trouve dans le monde entier, quoi. Alors, ces contes nous parlent vraiment de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Ils nous disent qu'avant la naissance, nous vivons dans un autre monde dont nous venons, et où nous retournerons après notre mort. Ils nous disent ce que nous sommes vraiment. Nous sommes des princes quelque part, nous sommes tous des êtres spirituels. Et puis ils nous disent qu'est-ce que nous faisons sur Terre et qu'est-ce que nous devons faire pour retrouver l'unité que nous avions avant notre naissance. Ces contes, on pourrait dire, enfin moi je les appelle un peu les vrais contes, c'est-à-dire les contes qui vraiment nous enseignent sur nous-mêmes, sur la vie, sur le monde, et qui nous apprennent quelque chose.
Alors, nous y reviendrons. Si on fait une petite histoire des contes, on peut dire, enfin moi je pense que l'âge d'or des contes, c'est depuis l'Égypte antique, c'est-à-dire à peu près 3000 ans avant notre ère, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, et peut-être plus précisément jusqu'au début de la Renaissance, c'est-à-dire le 15e, 16e siècle. Parce qu'à partir de la Renaissance, on va commencer à négliger un peu les contes. Oh, ce sont des histoires de bonnes femmes, ce sont des histoires de paysans. Avec l'âge des Lumières qui commence, on veut maintenant être raisonnable. Par exemple, Charles Perrault a utilisé les contes qu'il avait à son époque pour en faire l'éducation de ses enfants. Donc, il a enlevé tout ce qui était merveilleux. Ben, il ne reste pas grand-chose. Alors, si un loup a mangé une grand-mère et un petit enfant, ben, ce n'est pas la peine de le lever vers le ventre pour les récupérer, parce que de toute façon, ils sont morts. Ce serait complètement déraisonnable et pas scientifique du tout. Et c'est pour ça que le conte de Perrault sur le petit chaperon rouge se termine par « Et le loup dévora le petit chaperon rouge. » Point final. Maintenant, j'éteins la lumière, tu dors et tu fais de beaux rêves. Et j'ai rencontré pas mal de gens, des adultes, qui m'ont dit qu'ils avaient fait pas mal de cauchemars et pendant longtemps en ayant entendu cette histoire trop tôt. Parce que dans la version des frères Grimm, bien sûr, ça ne finit pas comme ça. Le chasseur intervient, il récupère la petite chaperon rouge et la grand-mère, et l'histoire se finit un petit peu autrement. À la Renaissance, donc, ces contes ont été un petit peu oubliés. Et puis, au XIXe siècle, il y a eu des personnes qui se sont rendus compte que les derniers conteurs allaient disparaître. Et que donc, si on voulait garder une trace de ces contes, ben, il fallait les écrire. Et des gens comme les frères Grimm, qui étaient des linguistes, ils ont été les premiers à faire une grammaire de la langue allemande. Donc, ils ont parcouru toute l'Europe du centre et ils ont fait raconter à des vieilles personnes les contes qu'ils connaissaient. C'est pour ça que dans les contes de Grimm, par exemple, vous avez plusieurs versions du même conte, mais en différents dialectes. Et comme ils ne s'intéressaient pas aux contes, ils ne les ont pas abîmés, ils ne les ont pas arrangés ou déformés. Ils se sont contentés de les prendre vraiment au mot à mot, quoi. Et c'est pour ça que c'est très précieux. Alors, on trouve un peu de tout dans leur recueil, mais si on fait le tri, on a 120, 100 récits qui sont vraiment exceptionnels. Monsieur Bladé a fait la même chose en Gascogne, d'autres en Bretagne, en Russie, en Finlande et un peu dans tous les pays du monde. C'est grâce à ces gens-là qu'on a une trace des contes. Et puis, au début du XXe siècle, quelqu'un comme Rudolf Steiner a fait des conférences pour expliquer que ces contes n'étaient pas des histoires de bonnes femmes, que ces contes contenaient une grande sagesse et des sagesses très précises. Et Freud à utiliser la symbolique des contes dans ses soins. D'ailleurs, on peut remarquer que maintenant, de nombreux thérapeutes utilisent les contes pour soigner. Soit qu'ils écrivent eux-mêmes des contes de façon à se faire comprendre, soit qu'ils demandent à leurs malades, à leurs patients, d'écrire eux-mêmes des contes, quelquefois à partir d'éléments donnés. Et on voit que la créativité des contes est très bonne pour la santé. Alors, aujourd'hui, un certain nombre de contes traditionnels sont bien connus, mais en fait, pas tellement. Hein, si je demandais aux personnes qui écoutent combien elles connaissent des contes de Grimm, par exemple, 5, 7, peut-être 10, mais rarement plus. Et dans mon livre, j'en commente 90. Donc, il y a beaucoup de contes qu'on ne raconte plus, parce que soit que certains passages, certaines images nous choquent, par exemple les sorcières qui veulent manger les petits-enfants, soit qu'on ne comprend plus tellement la situation, parce que c'est vrai que les contes font appel à un monde rural, très proche de la nature, qui n'est plus du tout le monde dans lequel vivent nos enfants, mais quelque part, on peut passer au-delà de ça et donc essayer de voir ce qu'ils veulent dire.
Un autre inconvénient encore, c'est que le cinéma les déforme. Ils en font des espèces de récits sentimentaux qui n'ont plus rien à voir avec les contes. Et pourtant, quand on commence à dire un conte aux enfants, ils écoutent de leurs deux oreilles. Alors, une autre question que je voudrais aborder, c'est dans les contes, les deux personnages les plus importants, c'est le prince et la princesse. Ce sont eux qui vraiment sont au centre de la plupart des contes. Alors, à notre époque, on aimerait bien que le prince et la princesse soient égaux, hein, que ce soient des personnes absolument égales. Mais ce n'est pas le cas dans les contes. Le prince et la princesse sont différents. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une différence de sexe, ce n'est pas la différence entre un homme et une femme. Le prince et la princesse représentent deux choses totalement différentes de l'être humain. Alors bien sûr, on peut ne pas vouloir accepter cela, cette symbolique, mais si on n'accepte pas ça, on ne rentre pas dans les contes. L'autre jour, j'ai présenté mon conte à une équipe d'éducateurs. Et puis, il y a une personne très féministe qui m'a dit « Ouais, évidemment, c'est le prince qui tient les rênes du cheval et la princesse se monte en Amazone. » Ben, oui, je lui ai dit, c'est vrai. Mais si on ne veut pas remettre les contes dans leur contexte culturel, alors on ne peut pas les comprendre. Parce que le conte et le prince et la princesse représentent deux choses très différentes. Autrefois, on aurait dit « Le prince représente l'esprit en nous, et la princesse représente l'âme. » Alors évidemment, c'est des notions pas bien faciles à faire comprendre à notre époque. Et puis, oui, ça fait appel à des notions qui ne sont peut-être pas évidentes pour tout le monde. Mais je vais essayer de l'expliquer clairement. Et puis, dans le livre, je l'explique évidemment plus en longueur. Le prince, c'est souvent... Certains contes assez complets, comme La Reine des Abeilles, commencent avec trois princes, en général c'est trois princes, qui habitent un château d'or avec le roi et la reine du château d'or. C'est un monde merveilleux dans lequel les fleurs poussent toute l'année et les arbres donnent des fruits succulents tout le temps. En fait, c'est un vrai paradis. Et au bout d'un moment, les trois princes, l'un après l'autre, demandent à leur père l'autorisation de quitter le château et d'aller dans la forêt, c'est-à-dire de revenir sur terre. Parce que ces contes veulent nous montrer que, avant notre naissance, nous habitons un autre monde et nous revenons sur terre quand nous estimons en avoir besoin. Et Rudolf Steiner explique que, en fait, notre vrai être spirituel reste dans le monde spirituel. Le roi du château d'or ne s'incarne pas, il reste là-haut. Par contre, à chaque naissance, il donne un fait de lui-même, il envoie comme un serviteur, comme un lieutenant. Et ce lieutenant qu'il envoie sur terre, c'est notre moi, ce qu'en latin on appelait l'ego. Et donc c'est notre moi qui après va nous permettre dans la vie de conduire notre vie. Alors, donc ce prince arrive sur terre et il représente notre moi. C'est en ce sens qu'on peut dire que le prince représente en nous, dans les contes, le prince représente l'esprit. Et son but, le but de son incarnation, ça va être justement de retrouver sa moitié féminine, sa partie féminine, et donc il faut qu'il retrouve sa princesse et qu'il l'épouse. Mais il ne s'agit pas d'un mariage entre un homme et une femme. Il s'agit d'un mariage symbolique, d'un mariage mystique, enfin disons symbolique, entre l'esprit et l'âme. Alors maintenant, que représente la princesse? Eh bien justement, elle représente cette âme. Maintenant, on parlerait de psychisme, mais c'est quand même beaucoup moins poétique. Alors, nous avons des états d'âme. Le matin, si je me lève de mauvaise humeur, bon, mais dans la journée, il fait beau, je fais des belles rencontres, donc je suis plus joyeux. Et puis le soir, je peux être fatigué, triste, stressé, et je vais de nouveau me refermer. C'est-à-dire que dans la journée,
je vais avoir des états d'âme différents. De même, un enfant de 5 ans, une personne de 35 ans ou une personne de 70 ans n'ont pas les mêmes joies et les mêmes tristesses. Ils n'ont pas les mêmes projets. Ils n'ont pas les mêmes façons de recevoir ce que la vie leur donne. On peut dire ils ont des colorations d'âme différentes. Donc l'âme représente un peu notre vécu psychologique dans la journée et dans la vie. Alors, quand un conte évoque comme ça cette âme, il parle de trois facultés principales. Il parle de la pensée, du sentiment et de la volonté. Et nous retrouvons ça dans certains contes avec les trois épreuves symboliques. La première épreuve, il faut rattraper les perles d'un collier dont le fil a été brisé et que les perles ont été jetées dans la forêt ou dans un jardin. Et donc, le héros ou l'héroïne doivent retrouver les 1000 perles, ce qui est impossible, sauf si on a aidé les fourmis un petit peu dans l'histoire avant et que le roi des fourmis vient et règle le problème. Et trouver comme ça des perles ou des lentilles, c'est faire appel à la force de la perception et de la pensée, hein, comme Cendrillon qui doit trier des lentilles dans un pot. Donc c'est une épreuve de pensée. La deuxième épreuve, c'est une épreuve de sentiment. Et souvent, il faut retrouver une clé ou une bague qui a été jetée dans un lac boueux ou dans la mer. Et comme le héros ou l'héroïne ont aidé un canard quelque temps avant, eh bien, le roi des canards vient et un canard arrive à retrouver la bague. Parce que le canard vit sur la terre et sur l'eau, mais il peut aussi plonger sous l'eau pour aller chercher à manger. Et ça, c'est l'image de notre vie de sentiment. Il y a une partie de nos sentiments qui sont très conscients, mais les sentiments douloureux et humiliants, on a tendance à les oublier. Et ils vivent dans la vase de notre inconscient. Et les personnes qui font des thérapies savent comment c'est difficile de faire revenir à la surface des souvenirs qu'on a voulu oublier, mais qui nous pourrissent la vie. Et donc, si on veut faire un chemin spirituel, il faut absolument être conscient de notre vie consciente et de notre vie inconsciente. Ça, c'est la deuxième épreuve. Et la troisième épreuve est une épreuve de volonté. Et en général, elle est liée au métabolisme. Notre volonté est très liée à ce que nous mangeons. Et donc, c'est souvent, il faut chercher qui, par exemple, des trois princesses, a mangé du miel avant de s'endormir dans la Reine des Abeilles. Et on prendra un autre exemple tout à l'heure. Donc, il faut que le héros ou l'héroïne satisfasse à ces trois épreuves pour pouvoir avancer. Si vous prenez Blanche-Neige, qui est peut-être le conte qui est le plus connu, la méchante reine déguisée en marchande propose à Blanche-Neige un lacet, hein, pour son corsage. Elle lui met et elle le serre tellement dur qu'elle étouffe Blanche-Neige. C'est-à-dire que Blanche-Neige n'est pas capable de dominer ses désirs. Elle n'est pas maître de sa vie de sentiments. Bon, les petits nains arrangent la chose le soir. Et le deuxième jour, la reine-mère apporte un peigne. Évidemment, un peigne, c'est fait pour mettre de l'or dans nos cheveux. Mais c'est aussi fait, symboliquement, pour mettre de l'or dans nos pensées. Et ça, Blanche-Neige ne sait pas bien le faire. Donc, le peigne reste accroché. Les petits nains arrivent à la débarrasser. Et le troisième, eh bien, c'est une épreuve de volonté, c'est la pomme empoisonnée. Blanche-Neige croque dedans, et bien sûr, elle n'est pas encore libre dans ses volontés. Donc, elle ne peut pas résister à cette troisième épreuve. En fait, Blanche-Neige ne réussit aucune des trois épreuves. C'est sans doute le seul conte, hein, où on ne réussit pas les épreuves. Et donc, il va falloir qu'elle attende un certain temps, que le temps soit venu, pour que le prince la libère. Je me permets une remarque, c'est que dans les contes de Grimm, Blanche-Neige est réveillée quand le prince lui propose un baiser. C'est dans les films de Walt Disney que le prince embrasse la princesse encore endormie. Ça a fait une grosse polémique. Et aussi, je me permets de rappeler que la notion de prince charmant n'existe pas dans les contes de Grimm. Ça, c'est une notion de Walt Disney.
Parce que dans les contes de Grimm, le prince est tout autre chose qu'un prince charmant. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une autre symbolique. Alors, en dehors des princes et des princesses, il y a bien sûr beaucoup d'autres thèmes. Il y a par exemple, on peut aussi dire, les thèmes des trois robes. Quand la princesse a réussi ses trois épreuves, elle peut, au cours d'un bal de 3 jours, elle peut enfiler 3 robes d'or, d'argent et de pierres précieuses. Parce qu'elle a justement transformé ces 3 enveloppes. Alors, si les notions ne vous sont pas trop inconnues, on peut dire qu'elle a transformé, qu'elle a travaillé sur son corps physique, sur son corps éthérique et sur son corps astral. Et c'est en faisant ce travail qu'elle peut avancer. Et donc, quand elle a fait ces trois, quand elle a réussi ces 3 transformations, qu'elle a mis ces 3 robes, eh bien, elle peut rencontrer celui qui a fait le travail en elle. Elle peut rencontrer son moi, la force qui lui a permis de faire ce travail. Et donc, elle rencontre son prince et elle peut l'épouser. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout le mariage d'un homme et d'une femme. C'est vraiment l'union de 2 principes différents dans l'être humain, on peut dire l'esprit et l'âme. Et ce mariage symbolique représente l'unité que l'être humain doit retrouver sur Terre après l'avoir perdu à la naissance, et donc il devient un roi terrestre. Et c'est ça le but en fait de l'incarnation, de notre incarnation aussi d'ailleurs. Il y a de nombreux thèmes qui arrivent dans les contes, et ce qui est intéressant, c'est que dans les contes, tous les détails sont intéressants. Tous les détails sont importants et apportent des notions importantes. Par exemple, la scène se passe-t-elle au clair de lune ou se passe-t-elle en plein soleil, en pleine journée? Est-ce que ça se passe dans un château ou dans la forêt? Vous voyez, à chaque fois, ces détails de temps et de lieu donne des informations très précieuses sur le niveau de conscience qui va être demandé aux personnes. Et puis, il faudrait parler aussi de ce que signifie la sorcière, la marâtre, le chasseur désobéissant, l'âne ou le cheval, la rose ou le lys, et encore bien d'autres choses comme ça. Les couleurs sont importantes. D'abord, la jument va être blanche, puis après elle va être rouge, et puis après elle va être noire. Et quel mystère se cache derrière ces 3 couleurs? Et aussi, il y avait des chiffres. Un jour, 3 jours, 100 ans, c'est quand même pas la même chose. Il y a les nombres, il y a les couleurs, il y a les métaux. Tout ça, c'est important de savoir ce que ça représente. Parce que si on ne connaît pas ce que ça signifie, ces petits détails, on perd beaucoup de la signification du conte. Alors, quand nous avons ressenti les images d'un conte, quand nous savons à peu près ce que signifie chaque détail, alors nous pouvons nous plonger dans l'histoire. En fait, il faut la recréer, il faut faire preuve de créativité, il faut la recréer pour la raconter. Il faut que je sois dans la forêt, et que je vois le loup arriver ou le lion. Il faut que je vois les choses se passer. Sinon, les enfants vont s'ennuyer. Il faut que je recrée cette histoire. Et raconter un conte, ce n'est surtout pas le lire. Parce que si je suis occupé pour une partie de mon être à lire le texte, à déchiffrer les hiéroglyphes, là, eh bien, je suis dans l'intellect. Et je ne peux pas être dans le conte. Donc, si je veux que les enfants écoutent, ben, il faut que je raconte par cœur. Bon, il y a des techniques comme ça pour aider. Mais si je raconte par cœur, je peux regarder les enfants. Et je suis avec eux dans l'histoire. Je vois aussi s'ils commencent à s'agiter, s'ils commencent à parler entre eux. Et donc, peut-être que mon conte est trop long. Hein, c'est possible. Et donc, c'est très important que les enfants sentent que je vis l'histoire en même temps qu'eux. Et là, à ce moment-là, ça marche bien. Alors, faut-il réécrire les contes? Et ça, rien que cette question fait bondir les puristes.
parce qu'il y a des gens qui disent les contes, c'est des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, il ne faut surtout pas en changer un mot. Et l'idéal des bons conteurs, autrefois, c'était justement de ne pas changer un mot au conte. Mais les contes ont été racontés pendant des siècles et même pendant des millénaires. Alors on imagine qu'à certaines époques, on a pu réécrire certains contes. Ils ont servi de refuge à certaines époques. Quand une autorité avait interdit quelque chose, on pouvait le faire glisser dans les contes. Au IVe siècle, par exemple, l'Église catholique a interdit l'idée de réincarnation. Mais les contes qui parlent de réincarnation ont continué à être racontés. De même, la sagesse du manichéisme est continuée dans les contes cathares. Alors, ces contes, bien sûr, certains ne sont arrivés en très bon état, comme Blanche-Neige, hein, où il n'y a pratiquement pas un mot à changer. Mais d'autres contes sont incomplets. La Reine des Abeilles, le conte commence quand le troisième fils quitte le château. Ben, c'est dommage, on aimerait avoir le début du conte quand le premier et le deuxième fils comptent. Donc, on peut se demander s'il ne faut pas réécrire un petit peu les contes pour corriger certaines erreurs qui ont été mises dedans, les compléter quand ils ont été incomplets, et donc permettre que certains contes qui ne sont plus racontés, parce qu'il y a des scènes qui font peur, ou parce qu'on sent que ce n'est pas assez moderne. Donc, en réécrivant le conte, en le recréant, là aussi, en faisant œuvre de créativité, eh bien, si on sait vraiment ce que veut dire le conte, quel est l'essentiel du conte, on peut se permettre de réécrire certains passages. Parce que c'est vrai que les contes peuvent être un peu d'une autre époque. Par exemple, les contes sont très cruels, disent certains, parce que les punitions sont très précises. On ne fait pas de sentiments. C'est un peu le règne du talion, hein, œil pour œil de poing. Tout le mal qu'a fait la sorcière, elle va le ressentir. Et on sait très bien que si on ment, on devient aveugle. Hein, quand vous avez autour de vous des gens qui mentent sans arrêt, vous vous rendez compte qu'ils sont incapables de voir vraiment la réalité. Ils mentent parce qu'ils ne voient plus la réalité. Donc, quelque part, ils deviennent aveugles. Alors, dans certains contes, on dit à la fin que la sorcière ayant menti, eh bien, on lui crève les yeux. Alors, autrefois, les peines capitales se faisaient sur la place publique. C'était un spectacle. On allait voir pendre les brigands. Maintenant, on fait plutôt ça. Si on applique encore la peine de mort, on le fait discrètement. Et donc, on peut très bien dire que la sorcière est devenue aveugle. On n'est pas obligé de raconter en détail comment on lui a crevé les yeux. Vous voyez, c'est des petites choses, mais ça permet de comprendre. Quand on dit que la sorcière veut manger les petits-enfants, et là, c'est quelque chose maintenant qu'on a du mal un petit peu à admettre. Mais en fait, si on sait ce que c'est qu'une sorcière, c'est un être humain qui n'a pas pu aller au bout de son évolution, qui s'est arrêté en cours de route. Elle est tordue. La sorcière, elle est toujours quelqu'un de tordu, les doigts crochus. Et elle n'arrive pas à se tenir droit comme un être humain, parce qu'elle s'est arrêtée dans son évolution, et elle n'arrive pas justement à avoir son moi qui peut la guider. Alors, elle voudrait bien prendre le moi d'un petit enfant. Et on pensait autrefois que si on mangeait un enfant, on pouvait prendre sa force, on pouvait prendre son moi. Dans Ray Pons, par exemple, la princesse ne mange pas réponse, mais elle l'enferme dans une tour pour l'empêcher d'évoluer. C'est un peu comme une jalousie. Moi, je n'ai pas accès à mon moi, mais toi non plus, tu ne l'auras pas. Donc, on peut peut-être faire œuvre aussi là de créativité et de redire la même chose, mais autrement, avec d'autres mots. Il y a quelque chose qui choque aussi les enfants, c'est quand, à la fin d'un conte, le roi donne sa fille en mariage. J'avais raconté un conte comme ça à une petite fille de 7 ans. Et puis elle m'a dit, oh ben quand même, on aurait pu lui demander son avis. Eh bien, en fait, le roi reconnaît que le prince qui est devant lui a bien réussi les épreuves qu'on lui avait imposées, et donc, quelque part, il est maintenant digne de devenir un roi. Et donc, il est digne d'avoir une reine. Et pour montrer ça, le roi propose de donner sa fille en mariage, ce qui se faisait à l'époque, hein. Maintenant ça nous choque, mais c'était comme ça à l'époque. Et donc, il rend public devant tout le monde que ce prince qui est là est maintenant un roi. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui peuvent permettre
de continuer à raconter des contes qui autrement pourraient nous choquer, quoi. Alors, c'est ce que je fais dans Fanette et Philippin, hein, que beaucoup de gens connaissent. J'adapte des contes de Grimm qui ne sont pas très connus, et comme ça, beaucoup de gens peuvent de nouveau les raconter. Alors, pour finir, moi je voudrais dire que être créatif, ce n'est pas dire n'importe quoi. Les images des contes sont vraies. Les contes ne parlent pas toujours du monde tel que nous le voyons, mais ces images sont vraies. Les contes disent vrai. Alors, si j'ai beaucoup d'imagination et que j'écris des histoires plus ou moins fantastiques et plus ou moins extraordinaires, est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles correspondent à quelque chose de réel, présent ou futur peut-être? Mais est-ce que ces images sont réelles et est-ce qu'elles peuvent nourrir les personnes qui vont les écouter? Alors bien sûr, il faut être original, il faut être créatif, mais de quoi je parle? Est-ce que je parle de quelque chose qui a une réalité? Ou bien est-ce que je dis des choses qui n'ont aucun sens? Est-ce que les enfants ou les adultes qui vont écouter ces histoires vont être enrichis, vont être nourris par ces histoires? C'est quand même important à se dire. Alors, si nous développons notre sensibilité, alors les images viendront. Et tout le monde sait qu'il n'y a que la première création qui coûte. Alors, bon courage à tous. Et comme vous disiez réécrire les contes, ça me faisait penser à un conte que j'ai écouté il y a peu de temps. C'est un podcast de la Philharmonique de Paris. Donc, c'est vraiment de bonne qualité, je trouve. Et c'est en fait l'histoire des musiciens de la ville de Brême, mais ils avaient intitulé ça « Sur la route du jazz ». Et c'était tellement créatif parce qu'il y avait toute une histoire avec l'âne au début qui se faisait mettre à la porte par son maître à coup de savate. Et en fait, c'est l'image de notre corps physique, de notre corps éthérique, de notre corps astral et de notre moi. D'accord. Ces quatre animaux représentent quelque chose de très précis. Et quand ils ont la musique en eux, eh bien, ils sont en harmonie et ils n'ont plus besoin d'aller à Brême pour avoir la paix. Ils restent dans le refuge des brigands. Donc, le conte peut être lu à différents niveaux. Alors, si la façon de le raconter permet ces différents niveaux de lecture, c'est mieux. Mais si le conte est bien raconté, de toute façon, on met ce qu'on veut derrière. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est que les contes ont vraiment un niveau de sagesse, un niveau d'enseignement spirituel. On n'est pas obligé de vouloir le reconnaître. Sont très intéressantes. Il y a des contes chinois qui sont magnifiques. Ouais, tout à fait. Mais ce ne sont que des contes de sagesse. Ouais. Ils ne vont pas aussi loin que les contes de Grimm. Je comprends. Chacun est libre de son niveau d'interprétation. Hein. Oui. Non, mais comme vous disiez, le fait que ce soit raconté pas passion, mais justement, que ce soit très vivant, en fait, ça permet que les images aussi puissent toucher l'auditoire, parce que si ça reste, comme vous disiez, très plat, au final, bon, ben, on se dit, ok, puis on l'a oublié 3 jours après. Alors que là, comme je vous disais, ce conte, il nous... je pense qu'on s'en souviendra très longtemps, justement, parce que c'était aussi vivant. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce que vous dites, c'était intéressant, parce qu'il insistait beaucoup sur le fait que les animaux étaient vieux et fatigués. Et finalement, en fait, quand ils arrivent dans ce repère de brigands, tout d'un coup, ils ont comme... on ne se souvient plus qu'ils sont vieux et fatigués, parce qu'ils ont tellement d'énergie tous ensemble qu'en fait, ils ont comme une deuxième vie. Et ce que vous dites, en fait, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est exact ce que je vais vous dire, mais ça me fait penser un peu à l'idée de chasser les marchands du temple dans la Bible, en fait, quand ils chassent les brigands de la maison, finalement. C'est une fois qu'ils sont, voilà, comme vous disiez, entiers, qu'ils ont trouvé leur unité, ils peuvent chasser n'importe quel brigand, en fait, que n'importe quel usurpateur. Non, mais c'est magnifique. Face à un être humain qui est conscient de lui-même, personne ne peut s'opposer. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une force fabuleuse. Ouais. Non, mais c'est vrai que ce sont des images extraordinaires. Plutôt que de passer par l'intellect et des discours qui ne parlent pas du tout aux enfants parce qu'ils sont pas en capacité de les atteindre. Et même nous, parfois, on a du mal à saisir certains concepts. Il est important, comme vous dites, de bien ressentir l'image, de vivre l'image, mais de savoir aussi ce que signifient les détails. Pour l'enfant parce que, pour vous, et si vous savez, vous, de quoi vous parlez, alors c'est très, très important pour les enfants. D'accord. Parce qu'ils vont comprendre que vous savez de quoi vous parlez. Il ne faut pas expliquer, il ne faut jamais expliquer un conte, ni à un adulte, ni à un enfant. Ouais. Mais si vous savez de quoi vous parlez,
L'enfant le sent tout de suite. Ça va se sentir, c'est sûr. Et il va s'en nourrir beaucoup plus. Je comprends. Moi, je trouve que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est de lui raconter le conte des trois petits cochons. Alors, ce n'est pas un conte de Grimm, D'accord. mais c'est un conte qui raconte comment a évolué l'être humain depuis l'Égypte jusqu'à nos jours, si on sait ce que ça veut dire. Et c'est D'accord. un conte absolument fabuleux si on sait de quoi on parle. Bien sûr. Ah oui, je pensais pas que c'était. J'avais Ah jamais oui, c'est un réfléchi à conte cette fabuleux. question. Ouais. Trois petits cochons. D'accord. J'ai beaucoup aimé ce que vous disiez aussi, enfin, voilà, quand vous réexpliquiez les images du prince, de la princesse, etc., parce que c'est toutes les objections qu'on a en fait contre le conte, le côté, comme vous Oui, disiez, le féminisme et traditionnel. comment dire, les images qui font peur, etc. Et c'est Ouais. intéressant que vous disiez que le prince charmant n'existe pas dans les contes. Et c'est vrai Non, que moi, dans mes le souvenirs nom du prince d'enfant, charmant. oui, voilà, dans mes souvenirs d'enfant, je ne me souviens pas Oui. d'avoir lu d'histoire avec des princes Le charmants. prince ne cherche pas du tout à séduire une princesse. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la symbolique des contes. Ouais. Alors, quelque chose qui m'étonne, c'est quand vous dites, c'est juste, je pense, une question de vocabulaire, mais c'est pour bien comprendre, quand vous dites vous dites le prince représente le moi, donc l'ego. Et aujourd'hui, dans beaucoup de discours actuels, on oppose justement l'ego, le moi qui serait lié au mental et à quelque chose de très incarné, avec Oui. l'aspect spirituel. Alors du coup là, du coup je me dis, vous dites en fait que l'ego c'est comme une petite, c'est voilà, c'est dire, bon, si on part sur la religion, il y a Dieu et son fils par exemple. Ben, voilà. Bon, mais du coup là, j'ai du mal à comprendre. Très bien. Alors, j'avais fait une partie sur ça et puis je l'ai enlevée pour pas être trop long. Oui, d'accord. Parce que le moi, en fait, c'est ce qui nous permet de digérer. Mon moi, c'est ce qui me permet de régler tous mes organes, mes sucs, qui me permet de régler ma respiration, ma digestion, ma pensée. Et notre moi, en fait, c'est quelque chose de très précieux. Et je l'appelle ego pour être bien clair que c'est le moi physique, enfin le moi terrestre. Et maintenant, à notre époque, et c'est peut-être pour ça que les contes nous paraissent un peu vieillis, c'est que nous sommes à une autre époque spirituelle. De l'Égypte antique jusqu'à la Renaissance, où nous avons pris conscience de notre moi et nous sommes devenus individualistes. Et c'est une très bonne chose. Et moi, je pense que jusqu'à 35 ans, il est très important d'être égoïste, c'est-à-dire de développer sa vie, sa maison, sa famille, de prendre soin de soi. Mon moi peut me permettre de digérer une pomme, mais mon moi ne peut pas vous aider à digérer vous une pomme. Mon ego est nécessairement égoïste, ça c'est sûr. Mais dans un certain sens, ce n'est pas méprisable. C'est très très important que je prenne soin de moi, que quelqu'un en moi prenne soin de moi. Par contre, à partir d'un certain âge, disons 35, 40 ans, 42 ans, on peut sentir que le moi n'est pas la dernière autorité en nous. Et que peut-être qu'il faut que nous lui fassions faire un peu de la place pour que un autre personnage naisse en nous. Et dans certains milieux, on fait la différence entre le moi et le je. Alors, je n'aime pas beaucoup cette différence, mais l'idée est juste. C'est-à-dire que il faut que j'arrive à mettre en veilleuse ce qui en moi est égoïste pour développer autre chose. Mais c'est pour ça d'ailleurs que certains pensent que les contes sont périmés. Parce que les contes, ils nous parlent du développement de notre ego. Le prince doit devenir conscient de lui-même, de sa pensée, de son sentiment et de sa volonté. Et quand il aura fait ça, il revient au XXIe siècle, il aura un autre travail à faire. C'est de se rendre compte que son moi est le reflet d'un être spirituel. Parce que là, les contes nous le disent, le prince vient du roi de la montagne d'or, mais ce n'est pas la dernière chose en nous. Il faut maintenant que que le prince qui est devenu un roi, eh bien, se souvienne qu'il est quelque chose dans le monde spirituel. Et nous devons, dès cette incarnation-ci, commencer à vivre dans le monde spirituel. Et dans certains contes, d'ailleurs, il est noté que le prince devient roi et va régner sur deux royaumes, sur le royaume terrestre et sur le royaume spirituel.
Si vous remarquez bien comment Saint-Exupéry a parlé de son petit prince, de son être intérieur, eh bien, il l'a fait dans un récit magnifique qui n'est pas un conte. Il n'a pas pris la forme littéraire du conte pour raconter son histoire. Et dans Le Petit Prince, ce qui est, les images sont très très belles, mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les dialogues. Et en fait, avec une œuvre comme celle-là, nous passons de l'imagination, qui était vivante dans les contes, à une deuxième étape qui est l'inspiration. Et peut-être que maintenant, il faut que nous fassions un très gros effort de créativité pour créer un nouveau genre littéraire. Alors, bien sûr, je peux réécrire des contes comme je peux réécrire des symphonies de Beethoven. On connaît exactement comment il faut faire, passer du majeur au mineur. Enfin, on sait exactement comment sont construites les symphonies de Beethoven. On peut en réécrire. Mais est-ce que ça va exprimer l'impulsion musicale de notre époque? C'est pas sûr. De même, je peux réécrire des contes, j'en ai moi-même écrit, surtout des contes de Noël. Mais tôt ou tard, il faudra peut-être que nous tenions compte du fait que notre moi, la conscience du moi, n'est pas la dernière étape de notre évolution spirituelle. Et maintenant, commence une nouvelle étape, au moins d'après Rudolf Steiner, où il va falloir que nous prenions conscience de ce que nous faisons dans le monde spirituel. Et donc, il va falloir créer peut-être un nouveau genre littéraire. Ça n'empêche pas que pour les enfants qui sont encore à l'âge de 7 ans, ils ont besoin de prendre conscience d'abord de leur ego, de leur moi, avant de faire autre chose. Et donc, pédagogiquement, les contes sont toujours valables. Mais pour nous adultes, peut-être effectivement que les contes ne nous apportent plus, surtout si on en a eu beaucoup pendant la petite enfance, peut-être qu'on aimerait maintenant entendre autre chose pour que ce ne soit pas simplement la conscience du moi qui soit recherchée, mais la conscience de notre être spirituel. Donc vous voyez, vous soulevez une très grosse question. Oui, je vois. Mais du coup, oui, je comprends mieux. En fait, j'avais mal compris ce que vous disiez, parce que pour moi, j'étais partie sur l'idée, mais en fait, ce que vous dites, ça a beaucoup de sens, parce qu'on lit à des enfants donc, qui ont besoin, comme vous dites, qui en sont à l'étape où ils ont besoin de prendre conscience de leur moi, de leur ego, etc. Mais moi, j'étais déjà partie sur l'idée que, en fait, le prince et la princesse étaient un peu comme l'aspect... Enfin, c'est comme si on devenait roi quand, justement, on prenait conscience de notre dimension spirituelle et du coup, on redevenait complet à ce moment-là. Mais en fait, ça serait l'étape encore après... La première étape. Oui, ça, c'est déjà l'étape suivante. Oui, d'accord. C'est là pour maintenant et pour quelques siècles. D'accord. Dans la pédagogie Waldorf, il y a aussi cette idée qu'en fait, il y a les différents âges de l'humanité en fait, qui recoupent les différents âges de l'être humain, c'est ça? Je ne sais plus. Oui. Je sais pas si c'est... oui, je dirais l'inverse. Je dirais que les enfants revivent toutes les étapes vécues par l'humanité. Oui, c'est dans ce sens-là. Et donc, c'est pour ça qu'on ne leur parle pas du monde contemporain avant le CM2, par exemple. On n'irait jamais en deuxième classe parler de la guerre de 14. Ça n'a aucun sens pour un enfant de cet âge-là. Ouais. Par contre, il revit toute l'histoire de la préhistoire, on pourrait dire. Et puis, en première classe, en CP, il est à peu près à l'âge, justement, des contes. Et on peut dire que le plan scolaire des écoles Waldorf-Steiner, pour les écoles Steiner, ce sont les contes qui sont l'essentiel de l'enseignement de la première classe. Parce que les contes répondent à des questions. D'où est-ce que je viens? Qui je suis? Pourquoi il y a des gens méchants sur Terre qui ont toujours de la chance? Pourquoi il y a des gens très gentils qui ont toujours de la poisse? Tout ce qu'ils font, ça loupe, quoi. Et tout ça, ces questions fondamentales qu'on se pose vers 7 ans, eh bien, les contes y répondent. Ils y répondent en images. Donc, on n'a pas intellectualisé les enfants, mais en leur disant les contes, enfin ceux qui ont pour moi le plus de sens, quoi, on leur apporte vraiment des réponses à leurs questions. Ça prend du sens, effectivement, parce que ce matin, j'ai écouté la véritable histoire de Cendrillon. Et dans l'histoire de Grimm, c'est vrai que j'avais oublié ça, mais ça m'est revenu que les sœurs se coupent un orteil, se coupent le talon. Oui. Ensuite, les pigeons leur crèvent les yeux. Bon, c'est vrai que ça paraît un peu sanguinolent, mais bon, je me suis dit, bon, ok, ça fait partie du conte. Et effectivement, comme vous dites, on peut aussi, après, on n'est pas obligé de... Elle peut avoir une ampoule et puis, je sais pas, avoir des choses plus simples. Mais j'ai réécrit Cendrillon pour Fanette et Philippe il y a quelques numéros. J'ai enlevé ça.
Le prince essaye les chaussures, elles ne vont pas. Oui, voilà. Donc après, il essaye la chaussure à Cendrillon et elle va. Et les deux tourterelles ne crèvent pas les yeux Oui, des deux voilà, la médecins. prochaine. Mais je dis que quelque temps après, les deux personnes viennent voir au château et sont devenues aveugles. Mais je n'ai pas raconté que les deux oiseaux penchés Oui. sur ses oreilles là, leur avaient crevé les yeux. Il n'y a pas besoin. De D'accord. même qu'il n'y a pas besoin de détruire le pommier, le poirier et le pigeonnier. Ça n'apporte rien à l'histoire. Relisez-le dans Fantine et Philippin, vous allez voir. Il a une autre allure. Moi, je pense que c'est important de nettoyer les contes de tous les détails inutiles si on sait bien quel est le sens du Le conte. Il ne faut pas sens. jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Ah, bien sûr, bien sûr, bien Ouais, sûr. c'est ça. Regarde si j'ai d'autres questions. Oui, j'ai trouvé intéressant ce que vous disiez sur le côté, c'est des histoires de bonnes femmes. Est-ce que vous pensez que les contes étaient principalement racontés par les femmes aux enfants, peut-être forcément puisqu'elles s'occupaient plus des enfants? Est-ce que vous pensez que c'est une transmission féminine ou est-ce qu'on n'en sait rien et est-ce que ça a une importance enfin... Je ne pense pas. Autrefois, il y avait des conteurs professionnels Oui, c'est qui vrai. allaient comme ça, de château en château. Et alors, dans une veillée, si le maître disait, alors, Gérard, est-ce que tu veux raconter? Oui. Il disait, cric! Et tout le monde répondait, crac! Et on faisait silence. Ceux qui triaient des choses, qui faisaient des paniers, ils arrêtaient tout et on écoutait le conteur. Donc, en fait, les femmes ont raconté beaucoup d'histoires parce que c'est elles qui couchent les enfants. Donc, ce sont les femmes qui racontent les contes le soir. Mais autrefois, c'était des conteurs professionnels. Et c'est quand justement on s'est rendu compte que ces conteurs allaient disparaître, que certaines personnes, comme les frères Grimm, se sont mis à écrire les contes pour qu'ils ne soient pas perdus. Ça, Ben, on a essayé de déconsidérer les contes en disant, c'est des histoires de paysans, c'est de la sagesse paysanne. Mais ce n'est pas vrai du tout. bah, Les contes ont été écrits par des gens initiés. quand bien même ce Et serait de par la des gens. sagesse paysanne, enfin, c'est pas Ben, pour c'est beaucoup plus que ça. Il y a des contes dans les contes de Grimm, il y a beaucoup de textes de sagesse paysanne. On raconte comment les paysans sont devenus intelligents et même comment les femmes des paysans sont devenues intelligentes. C'est dire. Ça peut être très intéressant. Ce que j'appelle un conte, moi, c'est ce qui mérite vraiment de commencer par « Il était une fois un roi et une reine qui habitaient le château d'eau. » Et on sent que là, il y a vraiment une volonté d'enseigner quelque chose aux enfants. Maintenant, il y a plein d'autres contes du monde entier qui sont formidables, mais qui, pour moi, n'ont pas le même niveau. D'accord. Mais bon, chacun est libre d'aimer les contes qu'il veut. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est très intéressant. Et ça me faisait penser aux épopées, en fait, quand vous parliez des conteurs professionnels, je pensais aux épopées d'Homère, notamment, qui étaient racontées comme ça par Oui, les Aèdes, etc. 6 000 vers. Ah bon? Ils pouvaient réciter jusqu'à 6 000 Et vers oui, voilà, c'était qu'ils incroyable. apprenaient en marchant. Ouais. Ils apprenaient les uns les autres en marchant. C'est pour ça que dans les poésies, on parle de pied. Oui, ah oui, C'était d'accord. très important. C'était rythmé. Ils apprenaient comme ça toute l'histoire d'Homère, de l'Iliade et l'Odyssée, ou les contes de Roland de Roncevaux et tout ça. Ils l'apprenaient en marchant. Je voulais avoir votre avis un peu sur, voilà, sur la portée des épopées. Est-ce que vous, il y a des épopées que vous pouvez lire à des enfants et quand? Est-ce que vous y voyez un intérêt? Enfin, est-ce que vous avez une opinion là-dessus, une réflexion ou, Bien sûr, mais on peut dire que le langage le plus fondamental qu'on peut avoir sur Terre, c'est le langage des contes. Ensuite, les épopées et les mythologies, même les mythologies d'abord, les mythologies, c'est déjà un deuxième niveau. D'accord. Dans les contes, par exemple, on ne se pose jamais la question de Dieu comme créateur. On ne dit jamais que l'être humain a été créé. On n'en parle pas. Oui. C'est au-delà de ça. Ouais. Par contre, on va le trouver dans les mythologies. D'accord. La mythologie, c'est un cran en dessous au niveau du langage fémandal. La mythologie raconte pourquoi la mer est salée, pourquoi tel animal a telle forme de nez, pourquoi. Et on racontera qu'il y a eu un œuf original qu'on a coupé en deux et l'humanité est née comme ça. Donc la mythologie, c'est déjà un cran en dessous. Et c'est encore une histoire de Dieu. C'est Zeus qui punira. Enfin bon. Et puis l'épopée, c'est en général une histoire de héros, au sens grec du mot. Donc ce sont des êtres
plus ou moins divin encore, comme Hercule, mais c'est déjà un cran en dessous. Alors, je raconterai les contes moi, en première, deuxième classe, je raconterai les mythologies en troisième classe, en CE1, oui, CE2, et puis je raconterai les épopées à partir de la quatrième, cinquième classe, c'est-à-dire CM1, CM2. D'accord. Voyez, ce sont des niveaux de conscience différentes, d'accord, qui ne répondent pas aux mêmes questions. D'accord. Les enfants adorent écouter les mythologies ou adorent les épopées, oui, mais pas en première classe, pas à 7 ans. Enfin, moi, c'est mon vécu de pédagogue. Non, mais ça fait du sens ce que vous dites, parce que les contes, comme vous disiez tout à l'heure, souvent, bah, que d'ailleurs, on comprend, parfois, on ne comprend plus parce que c'était un milieu rural, etc. Ça part de quelque chose de très concret et que les enfants peuvent comprendre. Très primordial, Voilà, très c'est ça. essentiel. Exactement. On peut pas avoir un langage plus primitif, Oui. au sens de primordial, que les contes. C'est pour ça que c'est difficile d'en réécrire. Parce qu'avec nos langues modernes, très intellectuelles, nous n'avons pas la possibilité de créer un tel dialogue, un tel langage. C'est vraiment, les contes, quand vous dites « il était une fois », ou « était-ce » ou « n'était-ce pas », il y a bien longtemps, ou peut-être hier, on ne peut pas imiter ça. C'est quelque chose d'unique. Et c'est intéressant parce que je me rends compte que mon fils se posait. Enfin, je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de contes qui s'appellent contes, mais qui ne ressemblent pas du tout aux contes de Grimm, parce Non. que c'est pas du tout. Mais qui sont intéressants, comme vous disiez, des très belles histoires, Oui. souvent, que je trouve très poétiques, avec beaucoup de poésie que Bien j'aime sûr. beaucoup. Mais voilà, c'est pas du tout le même sens que le conte. Et mon fils, l'autre jour, je voyais qu'il réfléchissait dans sa tête, il a 8 ans. Il me disait. Mais quand même, c'est pas la même chose quand on raconte une histoire en commençant par Il était une fois, et je sentais qu'il essayait justement de Ah. donner du sens à la différence entre un conte qui commençait par Il était une fois et un conte qui commençait pas par Il était une fois. Je voyais qu'il disait, il y a un truc là, c'est pas la même saveur. C'est intéressant. C'est exactement le but de mon livre. Oui, votre garçon a raison. Il y a des histoires très intéressantes. Et puis, il y a des histoires qui commencent par « il est ». Alors, malheureusement, il y a des histoires maintenant qui commencent par « il était une fois » qui ne sont pas des contes. Et ça, les enfants sont très déçus. Et en général, ils le disent. Ah, mais ce n'est pas un vrai conte. D'accord. Bon. Ben en tout cas, c'est intéressant d'avoir votre vision des contes de Grimm. Ça leur donne une toute autre saveur. Bon, je ne sais pas si parmi les auditeurs, peut-être certains avaient déjà cette vision, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, merci beaucoup. Et donc, on peut retrouver tout ça. Moi, je vais me procurer votre livre. Donc, Il était une fois aux éditions Belle Émeraude. Et Oui. je pense que ça intéressera beaucoup d'auditeurs parce que du coup, vous détaillez vraiment chacun des 90 contes de Ah Grimm, oui. comme ça, avec les images. Ah oui, c'est un Il y gros a gros travail. 450 pages, donc il y en a Oui. beaucoup plus que ce que je vous ai dit là. Ah ben, c'est sûr, C'est un tout petit résumé. oui, 80. Ah ben, Voilà, super. ben merci bien. Ben, merci J'espère que ça beaucoup. va permettre à vos auditeurs de, Ah oui, ben, j'en de suis mieux sûre. comprendre les camps et surtout d'en raconter. Surtout d'en raconter, voilà, Ah exactement. oui, c'est important. Ben, merci beaucoup, monsieur. Et Au puis, revoir. au revoir. À la Merci. prochaine.